Yo tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire une épreuve d'entraînement en drift qui se trouve juste ici. Donc cette épreuve de drift, ça fait un moment que j'aurais voulu la faire, mais qu'on l'a pas faite depuis longtemps parce qu'elle est jamais réapparue sur The Crew depuis tout ce temps. Faut dire, hein, cette vidéo, elle remonte à peu près au moment où. J'allais dire, la vidéo, cette épreuve remonte hein, au moment où on a commencé à faire les épreuves d'entraînement sur YouTube. Et oui, c'est pas une blague, hein, la dernière fois qu'elle est apparue, c'était cette épreuve d'entraînement, elle remonte quasiment à les toutes premières vidéos qu'on a fait sur les épreuves d'entraînement sur YouTube. C'est-à-dire que jusqu'à présent, elle n'est jamais revenue, hein, jusqu'à tout pas la vidéo. Donc, malheureusement, il y a des épreuves d'entraînement sur le coup, en fait, elles sont bah, là tout le temps, que je pense en vrai. Et il y a des épreuves d'entraînement qui sont pas là, peut-être qu'elles sont là, mais de temps en temps. Quoi. Bah, cette épreuve-là, pour vous dire, ça fait plus de 2 mois que j'ai pas réapparu sur le jeu, alors que je savais qu'elle était là. Donc voilà, ouais, c'est un peu bizarre, hein, ça en va. En plus, c'est sur un seul milieu, j'enlève ça fait vraiment mal. Je sais pas si je m'en sors bien dans un nouveau point ou si c'est vraiment pas bon. Après généralement que des épreuves d'entraînement qui sont pas le jeu, généralement elles font partie du finit en fait. Bah justement elles sont ajoutées dans le finit. Si l'épreuve va bien être ajoutée, c'est qu'elles font partie du finit. Léger, je sais pas. Les finits sont des fois. Parce qu'elles patinent, c'est impossible. Voilà. On peut se dire que sur The Crew, c'est pas possible d'être platine. Hein. Je sais plus combien de personnes peuvent gagner, mais c'est vraiment ridicule dans le nombre de personnes qui doivent gagner dans un tournoi de Crew. C'est pas un top 3000 ou un top comme ça. Hein. Non, je crois que c'est juste les 10 premières personnes qui gagnent ou dans le mondial. Hein. C'est impossible de regagner. C'est vrai que 10 premières personnes ou quelque chose en moins, c'est vrai qu'il y a vraiment une compétitivité. Hein. Je sais plus combien de personnes, mais peut-être 30, mais pas beaucoup, hein, ça dépasse pas les 100. Hein. Alors la prochaine fois du coup on se ferait pas du coup une épreuve d'entraînement parce que j'ai regardé du coup toutes les épreuves qui apparaissent à l'écran et non il n'y a pas d'épreuve d'entraînement qu'on n'a pas encore déjà fait donc faudra attendre la semaine prochaine. Donc c'est-à-dire que dimanche 4 décembre on se fera du coup une tour radio du coup dans la catégorie Midwest. Hein. Donc c'est-à-dire on fera une tour radio dans cette dans ici du coup. Hein. Donc je vous retrouve eh bien, au dimanche 4 décembre. C'était Solution Trophée.